salut, c'est les Bad News de l'avant. On est le 9 décembre. Allez, jingle bell. On parie sur quoi? Ouais, le raton, hein. Le raton laveur encore? Eh, moi je pars sur Okai. Une meuf? Veuve noire? La veuve noire. Putain, je l'ai dit hier ou avant-hier. T'as jamais dit veuve noire. Tu peux remonter dans les émissions, tu peux refaire un montage. T'as jamais dit veuve noire. J'ai dit le nom d'une fille, j'ai dit quoi? Non, t'as jamais dit veuve noire. J'ai dit quoi? Je sais pas, mais t'as pas dit veuve noire. Bah, j'ai dit le nom d'une meuf? Non. Je trouverai. Je trouverai et ça s'affiche maintenant avec la date. Qui c'est qu'il y a à l'intérieur du calendrier de l'Avent? La veuve noire. 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 Bah, elle est très cool. C'est Hermione. Oui, c'est vrai. Hermione en cuir. Les 7 lois improbables. Nous partons en Israël d'abord, pour commencer. À Arad, il est interdit de nourrir les animaux en public. En privé, tu peux. Tu me caches. C'est ça. À Haïfa, il est interdit d'apporter un ours sur la plage. D'apporter? D'apporter un ours sur la plage. C'est pas con. Allez, viens, fais pas ton... Hein. Il a encore emporté un ours sur la plage. Il a encore mangé les enfants. Chine, vous pouvez aller à l'université seulement si vous êtes intelligent. À Hong Kong, une femme peut tuer son mari adultère, la loi l'y autorise, mais elle peut le faire seulement à main nue. Ok. Singapour, c'est un crime de traverser la rue à moins de 50 mètres d'un passage piéton sans l'utiliser. Au-delà, c'est légal. Et ils comptent pas dans l'œil? Pas trop, parce que... Ça fait quand même mal. Au-delà, ça fait mal. Le saut à l'élastique est illégal à Singapour. Et la dernière, ne pas utiliser la chasse d'eau après utilisation des toilettes publiques peut entraîner des amendes très lourdes. Ah! Donc faut plus qu'on voit ta merde. Bah ouais, hein. Le conseil commercial de Noël du jour, c'est The Game of Dragon Ball. Dead, disponible un peu partout. C'est un blanc manger coco, mais très très geek avec et des... très très trash surtout. C'est un très, très vrai trash. Jeu trash, hein, pas vos vrai... machins de... Non, c'est vrai que blanc manger coco, c'est moins trash que putain, ça. Putain, c'est chiant comme la mort. Excusez-moi les gens qui ont fait mon blanc manger coco, mais putain, comme c'est chiant. Bah, la version américaine est quand même très drôle. Cards Against Humanity. Ouais, et du coup, c'est... moi j'ai adoré Cards Against Humanity, donc du coup, j'ai fait ça dans la même idée, donc il y a... moi, ma carte préférée, c'est Bob l'éponge à sperme. On passe à la bad news de Mo. De Mo? C'est Mo qui nous l'a envoyé. Le mec des Simpsons? Mo, M-O-E, ouais, je suppose, ouais. C'est trop bien d'avoir un des mecs des Simpsons qui nous envoie une bad news. Il nous envoie une bad news qu'il a lu sur Doctissimo. C'est quelqu'un qui a dit sur le forum, j'ai besoin un peu d'aide parce que j'ai des problèmes, mais j'ose pas aller voir le médecin. Parce qu'en fait, bon, j'avais envie de m'enfiler une saucisse dans l'anus, mais vu que la saucisse, elle était un peu molle, ça rentrait pas très bien. Alors bon, bah, j'ai congelé la saucisse pour qu'elle soit plus dure. Et après, je me suis rentré dans l'anus. Le problème, c'est que j'ai pas mis de plastique autour. Et donc, elle a collé? Et donc, oui, la saucisse s'est collée à l'intérieur de son anus. Et jusqu'à que la saucisse décongèle, elle est restée coincée très loin dans son anus. Il a paniqué. Il s'est dit, il faut que à tout prix, je fasse sortir cette saucisse. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des laxatifs. Non, il est allé chercher un aspirateur. Il a collé l'embout de l'aspirateur sur son anus, mais au lieu d'aspirer la knacky, il s'est fait une descente d'organes, en fait, et son anus est sorti, tu sais, comme les... Un prolapse. Un prolapsus. Il s'est fait un auto-prolapsus. C'est puissant, un aspirateur, quand même. Ce qui est génial, c'est que cette personne a dit tout ça, et après a dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que je veux pas aller à l'hôpital, j'ai honte. Bah, va à l'hôpital. Et aie honte. Ouais, parce que là, il faut sauver ton cul, mec. C'est clair. Voilà, à demain. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on imaginer